Allez, allez, allez! Attention, Jérôme, de la bombe, de la bombe. Je pensais que je vais aller, peut-être ça va être un impensable, ouais, sûrement. Et bonjour tout le monde. Alors, tu me diras. Attends, je marche sur le fil. En fonction de ta réaction, on en reparlera après. Tu me diras si c'est top, mais je pense que ça va être un impensable. Et il s'appellera dans les abracadabras, parce que j'ai marqué là. Alors, ça, c'est. C'est le nom du tour. C'est le nom du tour. Mmh. Et à l'intérieur, il y a une instruction. Ok. Instruction, stylo, jeu de cartes, enveloppe. Si tu peux regarder, dans chaque enveloppe, il y a un papier. Je ne les ai pas fermés exprès pour pas que tu puisses penser que quand je le ferme dans une, je fais une marque, je ferme l'autre, je fais une marque. Il y a effectivement un papier. Donc tu peux enlever les papiers et les fermer toi. Je les scelle. Oui, tu les scelles. Et après, tu les mélangeras. Bon, pour je dire, pour, voilà, tu mets par terre. Tu tires le papier, tu fermes. Tu les mélanges, comme ça il n'y a plus d'embrouille, je ne sais pas où est qui, où est quoi, parce que tu verras que du début jusqu'à la fin, je ne toucherai pas le matériel, ni la carte instruction, ni ce stylo, ni ce jeu de cartes, tu feras tout toi-même. Je peux me retourner, ou je me retournerai, mais... Ok. De toute façon, tu peux les mélanger. Pour l'instant, c'est bien ? C'est honnête. Je sais pas où je vais en venir, mais non, c'est mais pour non, dire que voilà. C'est pour prouver à tout le monde que les jeux des enveloppes, ça n'a aucune importance. On les mélange. Ok. Jeu de cartes, tu les prends. On pourra le remélanger après. Là, c'est juste pour... Ok. Tu regardes le jeu, voir si c'est un jeu normal. Oui, de toute façon, on s'en fout, parce que tu vas comprendre pourquoi. Tu mélanges, et à l'après, tu prends 9 cartes, soit choisies, soit au hasard. Tu fais comme tu veux. On va prendre le hasard. T'es d'accord, en faisant le hasard... Ou même en choisissant, il peut avoir n'importe quelle carte et n'importe quel chiffre et n'importe quelle couleur de... Ah, tout à fait. Et vas-y. Donc je prends 9 cartes. 9 cartes. Allez, au hasard. 1, 2, 3... Alors si je me tourne, c'est pour 4, montrer 5, au public 6, qui ne regarde que 7, 8, elles ne sont pas marquées que et, 9. Et que ça m'est égal. Il y en a bien 9 oh. Le jeu, on n'en a plus besoin. Oui. Le jeu, on n'en a plus besoin. Ouais. Tiens. Alors je te dis dès le début ce qui va se passer, comme ça il n'y a pas d'embrouille. Tu vas faire 3 tas sur la carte, 3 tas de 3 cartes. Tu vas prendre un tas, tu vas regarder la carte du dessous. Ce tas, tu le mets sur un autre tas. Et le tas qui reste, tu le mets soit dessous, soit dessus. Tu fais comme tu veux. D'accord. Dans tous les cas, je ne peux pas connaître cette carte. Ah, impossible. Et elle sera dans la position au hasard que tu auras choisie, qui aurait été différente si tu avais mis dessus ou dessous. Tout à fait. Allez. Donc je fais 3 tas n'importe comment. 3 tas n'importe comment. Égaux, plus de. Oui. Égaux de 3 cartes par tas. Ouais, mais tu peux le faire 1, 2, 3, 3, 3. Ok, voilà. C'est bon. Tu prends la carte du dessous, tu la montres à tout le monde. Donc je prends un tas, je prends la carte du dessous, oui. Tu la poses sur n'importe quel tas. Ok. Et l'autre qui reste, tu mets soit dessus, soit dessous. Ok. C'est fait ? C'est fait. Maintenant, si tu prends le jeu, tu te rappelles de la carte. Oui. Que tu épelles ta carte. Par exemple, imagine 9. N-E-U-F. Oui. Tu poses le jeu par-dessus. 2, D-E. Oui. Et après, pique ou cœur. Hop, et tu poses le jeu par-dessus. Ok. Tu es d'accord avec moi que si c'est as de pique ou as de cœur, c'est pas pareil qu'un 4 de carreau. Ah, tout à fait. Donc, ça, c'est une certitude. Donc, de cette même manière... Même s'il y a des cartes, ils ont le même nombre, mais bon... De cette manière, en faisant ça... la carte elle va se positionner n'importe où. Tout à fait. Mais elle peut être n'importe où vraiment, puisque déjà tu sais. Ah, je suis entièrement d'accord. Déjà tu sais pas où tu l'as mise. Oh, disant ouais, tu l'as. Je sais où tu aller. Sais où tu l'as mise, mais tu aurais pu la mettre différemment. Et en plus, je sais pas où. Elle aurait pu être 9, elle aurait pu être 10, elle aurait pu être cœur, carreau, trèfle. Donc... Ah non, mais là je suis entièrement d'accord. Alors, je me retourne pour pas que je connaisse ta carte. Ok. Ça te va ? Allez. Tu as compris ? 9. J'ai compris. Tu poses. 2. J'ai compris, j'appelle ma carte et à chaque fois que... J'ai compris. Voilà, comme... et tu le fais doucement, comme ça. Je ne veux pas toucher les cartes, je ne veux pas voir ce qui se passe, je ne veux pas entendre, je ne veux rien savoir. Si tu veux, je peux sortir, me fumer une clope. Non, 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 c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je peux fumer une clope dehors, autrement, même si je ne fume pas. C'est bon ? Voilà. Ça commence bien, déjà. Ah, là, c'est bien. C'est... Là, c'est très bien. C'est honnête. T'es d'accord avec moi que n'importe quel chiffre qu'aurait été... Ah, mais je suis entièrement d'accord. C'est là, j'ai pensé à ma carte. Je sais que si j'avais pensé à ne serait-ce qu'un autre symbole, j'aurais passé une carte de plus. Donc, ok. C'est... Là, c'est honnête. La carte, elle est quelque part dans le...
dans le paquet, tu peux pas savoir. Et c'est les situations qu'on aime là jusqu'à présent. C'est bien. Tu peux même prendre le jeu et prendre des cartes du dessus et les faire passer comme ça dessous. Tu fais ce que tu veux. Tu peux ne pas le faire, tu peux le faire. Ouais, allez, je le fais. Je m'en fous, tu fais comme tu veux. Voilà. Autant de fois que tu veux, c'est ouais, bon. Ouais, c'est bon, c'est déjà qu'elle était perdue et pas de soucis. Donc, maintenant, tu vas prendre les cartes et tu vas les poser. Alors, est-ce qu'il y en a assez de place? Tu les poses en ligne. Là, pour mettre. Tu poses la première ici. D'accord. La deuxième, la troisième, et ça fait. Comme ça, c'est aligné. J'ai compris. Par rapport, Attends, on va le faire exprès. Impeccable. Bien, je m'étais entraîné avec sans le tapis, mais tu vois, avec le tapis, ça passe. Acheter un grand tapis. Abracadabra, c'est la, c'est le, l'instruction. Tu ouvres et tu regardes à l'intérieur. Alors, l'instruction, effectivement, il n'y en a qu'une, il n'y a rien dedans. Ouais, toi, tu attestes juste pour... Et instruction... Et les yeux du spectateur. Supprimer les cartes 6, 7, 8 et 9. Donc, 6, 7, 8 et 9. Que ta carte, elle aurait pu être dedans. Ah, elle ouais, y est ou elle n'y est pas. Ah, tout à fait. Ça, je sais absolument 1, pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8 et 9. J'ai pas le droit d'y toucher, mais là, je pense que c'est pas... Ça va. Voilà. C'est... Ça dépend ce que tu vas faire, mais... On supprime. Ah, il est marqué sur... Ok. On peut les mettre comme ça. Voilà. Et voilà. Maintenant, sur chaque enveloppe, tu vas... Alors, tu as montré au... Voilà. Sur chaque enveloppe, tu vas faire une flèche dessus, identique à toutes les enveloppes. D'accord. Une flèche qui porte voilà, de là à là ou de là à là. Je dessine une flèche. Voilà, une grande flèche. Ok. Sur chaque enveloppe. C'est beau. Il arrive en fin de vie. Ok. Et tu la poses. Et t'en fais une autre, ainsi de suite. Tu peux faire plus grand. Vraiment identique. On s'en fout. C'est pas important. C'est juste pour le sens d'une flèche. Ok. Je sais pas où tu veux m'amener, mais tu m'y amènes. Voilà, je crois que les dernières, ça va être dur. Beaucoup d'encre. On va y arriver jusqu'au bout. Mais lui aussi dans le confinement. Bon. Attends, je m'applique. C'est un peu long, il écrit pas, désolé. Allez. Maintenant, tu vas les mélanger. On va dire que c'est bon. Tu vas les mélanger. Ça, j'en fais quoi? Hop, je les mélange? Ouais. C'est bon? C'est bon? Regarde ce que tu vas faire. C'est bon? Alors, regarde ce que tu vas faire. Je répète ma phrase. Tu vas prendre... Tu vas choisir... comme il y a 5 enveloppes, tu vas choisir... 1, 2, 3 ou 4. Ah oui. Si tu as choisi par exemple de 1, oui. Tu prends une carte, tu la mets dessous. Attends, j'ai pas compris, redis. Tu vas choisir 1, 2, 3 ou 4. Ah oui, d'accord, dans ma tête, ok. Si tu as choisi 1, tu prends une carte, tu la mets dessous. Oui. Et l'autre, tu retournes la flèche. D'accord. Une carte, tu la mets dessous. Et l'autre, tu retournes la flèche. Une carte, tu mets dessous. Une enveloppe. Voilà. Oui, une enveloppe. Si tu choisis 2, oui. Tu en passes 2 dessous. Mmh. Et tu retournes la flèche. D'accord. T'en passes deux dessous et tu retournes la flèche. Jusqu'à ce qu'il y ait une flèche qui est dans pas le bon sens que les autres. J'ai compris. Et si tu as choisi 3, tu fais pareil. 1, 2, 3, tu retournes. C'est-à-dire que tu feras toujours pareil, la même chose, mais c'est à toi de choisir 1, 2 ou 3 ou 4. J'ai compris. On ne peut pas faire 5 parce que si tu fais 5, à chaque fois tu retourneras la même. J'ai compris. Voilà, donc, oui, c'est 4,
1, 2, 3, 4, tu retournes. Oui, on fait 4 fois le coup pour qu'il y ait automatiquement une flèche qui va être à l'envers. Voilà. Et okay. Comme c'est toi qui as choisi l'ordre des enveloppes, ça peut être que le hasard. Ah oui, tout à fait. Surtout en plus si tu choisis 1, 2, 3 ou 4. Je suis entièrement d'accord. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Eh ben. 1. Non, c'est pas beau. Oui, 1, bah, vas-y, vas-y. De quoi? Ah, tu peux, mais c'est pas beau. Pourquoi? Oui, vas-y, fais 1. Mais 1, je le fais plusieurs fois. Ouais, ouais, mais j'aurais aimé plus, mais vas-y, fais 1, je m'en fous, allez. Ça m'est égal. Donc, alors... Pour la routine, ça faisait pas beau, ça, j'aimais bien plusieurs, mais fais 1. Donc, je mets une dessous, et là, tu la retournes. Et une, je la retourne. Voilà. Non, tu la retournes là. Je la retourne comme ça? Non, tu la retournes la tête. D'accord, ok. Voilà, celle-là, tu la mets dessous. Ouais. Et celle-là, tu la d'accord, retournes. D'accord, ok. Celle-là, tu la mets dessous, et celle-là, tu retournes. Et donc, je l'ai fait 4 fois déjà. Non, il en manque encore. Voilà. C'est bon? Oui, j'ai effectivement une seule flèche qui est maintenant... La seule flèche qui est en haut. Oui. Donc, tu vas mettre la seule flèche qui est ici à part. Non, attends. Celle-là, dans là. Celle-là, là. Celle-là, elle est là. Celle-là, effectivement, elle est à part. Voilà. Et celle-là, elle est vers moi. C'est comme okay. Si c'était un choix différent. D'accord? Ah ben oui, je suis d'accord. Voilà, donc c'est ton choix différent. Ok. Si tu avais choisi celle-là, ben ouvre-le. Ok. Pas des enveloppes truquées. Attends, tu me prends pour qui? Regardez la carte numéro 1. Ici. C'est pas ta carte? Non. Je savais. Ok. Si tu avais choisi celle-là. Que le hasard n'a pas fait que tu as choisi celle-là. Je vois venir le truc. 5. Attends. Je te dis que j'ai rien truqué. Regardez la carte numéro 5. C'est pas ta carte ? Non. Ça, c'était au hasard ? Ah, ça, c'est le hasard, oui. Ta carte, elle peut être là-dedans aussi. Tout à fait. Elle peut être là, et là, c'est le hasard. Et ça aussi. Mais c'est incroyable. Regardez la carte numéro 4, 1, 2, 3, 4, celle-là. Okay. C'est pas ta carte? Non. Moi je la connais pas ta carte, je t'ai retourné là. Moi, je sais. Je te la sers. Mais c'est incroyable. Regardez la carte numéro 2. Celle-là, ouais. Oh, ma carte. Mais elle peut être là ou là? C'est vrai. Et donc celle-ci qui était différente de toutes les autres. Donc cette enveloppe-là me préconisait donc de regarder la carte numéro 3. C'était quoi ta carte? Attends, c'est le 6 de pique. Pas le trèfle. Non. Il y en avait un là. 6 de pique. Regarde. Joli. Regarde public. Très... Alors je t'explique. Très très beau. Ça. Tu fais comme tu veux, din dan 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 dan. Là, ça c'est ça, vrai. Ça, comme tu veux. Brrr. Donc je vous donnerai plein de méthodes. C'est vrai que c'est fort. T'as vu? C'est fort parce que même pas moi je sais où elle peut se trouver. Et ouais, et c'est vrai que elle peut être n'importe où. Il a bossé le gamin. Oui. Joli. Alors, David, il va pas comprendre parce que j'ai rajouté les choses et il va dire mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Parce que David, il m'a montré ça. Que j'ai amélioré encore. Et en plus, j'ai rajouté ça et j'ai enchaîné les deux. Donc, David, amuse-toi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous pouvez pas faire les cartes. Si vous avez envie, vous prenez les enveloppes, vous les faites mélanger, faites des croix, des machins. À la fin, il en reste une. Dedans, il y a rien du tout. Alors que tous les autres, il y a par exemple 500 euros, avec zéro échec garanti. On peut faire plein d'idées, soit les deux ensemble, soit les cartes à l'unité, soit ça séparé. Je vous donnerai plein d'idées pour le faire de plein de façons différentes. Avec plein, voilà. Moi, c'est une routine complète que j'ai fait, mais on peut les séparer. Sur toutes les enveloppes, il y a plein d'idées. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu fais comme tu veux. Je ne touche rien. Les enveloppes, alors, pour réfléchir, parce que je ne sais pas comment ça marche. Enfin, je ne sais pas comment ça marche. Ça, je ne sais pas. Les enveloppes, j'ai une idée, mais je vois pas comment, parce que je pensais que tu allais me faire une donne australienne, ce qui est une donne australienne que tu m'as fait. Mais normalement, c'est la... C'est une donne australienne à la Mercurio.
Non, non, mais c'est fort parce que... Tu choisis 1, 2, 3 ou 4. Une donne australienne sur ça, elle doit être, sans trop en dire, l'enveloppe dans une certaine position. Qui, autrement, ça ne fonctionne pas. Oui, donc... Et là... J'aurais dû te... Et là, ma... Bon, tu me diras, je ne sais pas où était mon enveloppe, mais où il y avait marqué le voir dans la carte numéro 3, mais... Je ne peux pas être aussi libre et te... Mais elle pourrait être... Non, mais c'est pour ça que c'est fort, parce qu'elle aurait pu être n'importe où, et... Ça, c'est une donne australienne, celle-là. Oui, c'est comme une donne australienne, c'est tu mets, tu poses, enfin tu les élimines pas, c'est vrai, mais ça me fait penser à ça. Une donne australienne, tu mets dessous, oui, tu poses, oui, tu mets dessous, tu poses, mais bon, tu ça me fait penser au même oui, mais ça me fait penser aux mêmes caractéristiques. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ça tu connais. Tu dis tu connais pas mais tu connais, si j'ai juste amélioré. Là sur le coup, comme je sais que je fais à part poser les paquets dessus dessous, donc OK qu'elle peut être qu'à une certaine position, mais comme tu connais pas la carte et c'est vrai que n'importe quelle carte a son nombre de cartes différents, ça veut dire que tu peux pas savoir où elle se trouve. Donc c'est, si c'est automatique et qu'elle se trouve toujours au même endroit, c'est fort, mais je pense pas, parce que ça serait pas possible. Donc c'est, ouais, c'est pas mal. Parlant de donne... Non mais c'est pas mal. Comme ça là, je vais t'en faire un maintenant. C'est pas mal. Je t'en fais un et on enchaîne. Non, franchement joli, à remonter, je pense que... Bah il y a du boulot. C'est... Ouais, il faut s'y pencher sur la vidéo quand même, hein. C'est, on pouvait le faire sur scène avec moi j'ai mis des enveloppes uniformes mais je vous dirai comment le faire, peut-être les faire en couleur, de différentes couleurs. Il y a plein d'idées et je vous donnerai tout ça. L'explication elle sera très longue parce qu'il y a plein de phases, plein de choses, à plein de tours. J'ai mélangé plein de principes. Ah, il y a plusieurs sorties. Non, mais j'ai mélangé. C'est toujours pareil. Ouais, tu feras toujours comme ça. D'accord, ok. Qu'est-ce que je veux dire, tu feras toujours la carte soit dessus, soit dessous. Tu feras comme tu veux. Alors, et je ne toucherai jamais. Alors, franchement, c'est bien. Voilà. C'est joli. Le stylo, c'est exprès qu'il ne marche pas ou pas? Mais non, parce que j'ai tout révisé sur le stylo. C'est de blague. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est. Je vais y réfléchir 5 minutes pour. Ben, faudra les faire séparément pour que tu comprennes. Et ouais, puis si j'ai pas toutes les phases et que le tour change et que les... Ouais, non, c'est sûr que c'est remontable. Moi, dans tous les cas, je fais rien, moi. C'est toi qui fais tout. C'est vrai. Et les enveloppes, tu vois, tu peux les ouvrir, tu peux les regarder, il n'y a qu'une prédiction. Non, mais de toute façon, de manière que les enveloppes, elles soient numérotées 1, 2, 3, ou qu'elles soient bleues, rouges, vert, jaune, elles auraient été orange. De chaque couleur. Dans tous les cas, c'est toi qui les mets dans l'ordre que tu veux. Oui, non, mais c'est pas ça qui... Au début, je voulais les mettre une rouge, une bleue, une verte, une jaune, une violette, tu vois, des blancs... Des enveloppes de chaque couleur, je voulais le faire. Après, j'ai dit non, on va les mettre uniformes parce que je les ai pas trouvées, on est en confinement. Mais on peut le faire comme ça aussi. Non, joli, franchement joli. Bon petit tour de mentalisme. On enchaîne ? Allez. Tu appuies ? Bon. C'est parti. C'est parti.